maintenant, mesdames et messieurs, les frères Lavie. Hey, j'ai déjà vu des publics mous, mais alors là, c'est une synthèse. On recommence. On va pas recommencer comme ça. Et maintenant, mesdames et messieurs, les frères Lavie. Les frères Lavie, on les a conduits à la campagne de Bob. Les frères Lavie, les frères qui étonnent, qui détonnent et qui en font des tonnes. Nous allons faire dans quelques instants un numéro extrêmement dangereux. Un numéro à la limite de l'accident. Hein? Je dis bien à la limite de l'accident. Oh. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va avoir un accident. Oh. En effet, dans quelques instants, mon frère et moi-même, devant vous, nous allons cracher le feu au risque de se transformer en torche humaine. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est mais comment ils font, les frères Lavie, pour prendre comme ça quotidiennement de tels risques? Ben, je vais leur dire. Voilà, quand on était petit comme vous, déjà on n'était plus abrisant, et puis le vieux, papa, il nous entraînait tous les jours à supporter la douleur. C'est vrai, tard. Oui, voilà. L'exercice chambre à coucher se passait tous les matins dans la chambre à coucher avec cet outil qu'il y a dans toutes les chambres à coucher. C'est-à-dire un manche en bois avec quelques lanières en cuir. De 10 à 15 cm, guère plus. Bah, t'es encore. Il faut choisir un cuir souple. T'as vu comme il court maintenant? Monsieur, enchanté, vous mettez là. Et on va leur montrer au peuple. On va lui montrer l'exercice chambre à coucher. Alors voilà, le matin ça se passait comme ça, chez les Lavie, vous faites exactement comme nous. First position! Ouais, non, c'est bien. Second position! C'est bon? Action! Tapez, on est entraîné, tapez! Ouais, tapez, faites pas semblant! Il n'ose pas. Alors on va montrer l'exercice chambre à coucher le soir. First position! Second position! Et là vous allez voir mon mot action! Cet homme, mesdames, messieurs, supporte la douleur. C'est une exception. Félicitations. T'en vas pas trop loin. C'est pas fini. Non, mais va t'asseoir, je suis pas fini. Alors, les gens sont en train de se dire, facile, les frères Lavie, ils vont nous balader comme ça pendant 10 minutes et puis ils vont pas cracher. Eh bien, dans quelques instants, devant vous, au risque de se transformer en... Arrête de rire. Les frères Lavie vont cracher. Mais ils vont pas cracher n'importe quoi. Ils vont pas faire comme tout le monde, cracher du pétrole, du gasoil, de l'acétone, je ne sais quel produit nocif. Non ! Les frères Lavie, dans quelques instants, mesdames, messieurs, je laisse les familles, vont cracher écolo. En effet, dans quelques secondes, ils vont cracher devant vous, tenez-vous bien, du chocolat Poulain. Ah oui, la question que tout le monde se pose, pourquoi le chocolat Poulain? Parce que quand il y a Poulain, il y a Poulon. On applaudit la famille Lavie, les cousines, les sœurs qui viennent. Vous avez vu que au moment où on va donc être obligé de cracher protection. Le chocolat Poulain. Protection. Dangereux. Protection. Tiens, Jacques,
Merci, cousine. Merci, cousine. Pas faire ça. Mise en place du chocolat à poulain dans le travers de l'œsophage. Mais votre âge, c'est ça. Préférons transformer. En parfumé ! Le volcan de la mort, c'est-à-dire que mon frère et moi-même, nous allons cracher tous les deux sur la même flamme. Et sur la même personne. J'avais dit de pas s'éloigner. La régie, vous nous suivez, c'est possible. Oui, tu t'en as l'air avant parce que franchement... Mise en place. Du chocolat couleur. Dans le travers de l'œsophage. Le cadeau qui est dangereux, petite mouette comme ça, et où ça fait
2 semaines pour cracher, on n'a toujours pas eu le cadeau. Peut-être pour aujourd'hui.